Somebody told me you were not coming. Oh, the world's spinning in time, and here suddenly went cold. The sun is still shining, but everything feels like rain. Yeah, and if I had one wish. Tu sais, je sais pas pourquoi je dois te le répéter à chaque fois. Je vais pas le faire. Je dis, je vais pas le faire. Jeune homme, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque fois, tu me déranges avec cette affaire. Que tu es en train de dire que tu ne vas pas faire. Mon entreprise je ne vais t'appartient, pas. Jeune homme. Je ne la veux pas. Je ne la veux pas, d'accord? Je veux être ingénieur de son. Ingénieur de quoi? C'est ça. Quelle absurdité! Quelle bêtise sors-tu de ta bouche, jeune homme? Ce sont des bêtises pour toi, mais c'est ce que je veux. D'accord? Écoute, je préfère vivre sous un pont que de prendre ton entreprise. Jeune homme. Sais-tu combien de personnes qui se tueront pour être à ta place? Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Zico n'est pas intéressé. D'accord? Qu'est-ce qui ne va pas chez ce jeune homme? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Oh mon Dieu! Le total fait 110 000 francs. $115 000. Kounle. Aide-les à ramener les achats dans leur voiture. Non, juste deux. Monsieur, n'avez-vous pas PayPal? Il n'y a rien que l'homme ne verra dans ce travail. Rien. Jusqu'à me jeter un préservatif à la figure. Ah! Coulé? Oui. Où sont ces gars? Ils sont partis. Hein? Hein? Que s'est-il passé? L'un d'entre eux a oublié son téléphone. Je ne sais pas. Ces gars, je veux lui rendre. Je les ai aidés avec leur bagage. Même pas simple merci. Ils sont trop avares. Pour toi, c'est un merci. Moi, j'ai eu un préservatif à la figure. Que vais-je faire maintenant? Rosaline. Rosaline. Monsieur, monsieur,
Désolé, monsieur. Bonne arrivée, monsieur. Soit tu as un problème d'ouïe, soit tu prends du plaisir à me mettre en colère. Désolé, monsieur. Pourquoi dois-je t'appeler deux fois avant que tu ne répondes? Désolé, monsieur. J'étais dans la cuisine. Excusez-moi, monsieur. Va chercher les affaires dans la voiture. Bien, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Grosse pour rien. Somebody touch me, you are not coming. Oh, the world is spinning in time, and the air suddenly went cold. The sun is still shining, but everything feels like rain. Yeah. And if I had one wish, it would be to see you all. Rosaline. Rosaline. Nothing's fair when we lose. Rosaline. Rosaline. Monsieur. Où est-ce? Où est quoi? Où est-ce? Monsieur, où est quoi? Où est mon téléphone? Monsieur, téléphone. Où est mon téléphone? Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Zico, où est-ce? Arrête! Arrête! Que se passe-t-il? Papa, oui. Ne te mêle pas de ça. J'ai affaire avec cette foutue voleuse. Où est mon téléphone? Arrête! Arrête! Quand je parle, tu écoutes! Papa, oui. Ne te mêle pas de ça. Dis à cette salope de me donner mon téléphone. Sinon, je vais l'attacher. Croyez-moi, quel téléphone? Tu parles de quel téléphone? Mon deuxième iPhone. Je l'ai cherché partout, je ne le trouve pas. Alors, où est-il? Et tu es sûr que c'est elle qui l'a pris? Qui l'a pris? C'est toi qui l'as pris? Ça, c'est ridicule. Que vais-je faire avec ton téléphone? Exactement ce que je dis. Si tu ne l'as pas pris, elle ne l'a pas pris. Alors, où est le téléphone? La ferme, tais-toi. Où est le téléphone? Zico, ton téléphone pouvait être dans la chambre quelque part, là. Est-ce que tu as bien cherché? Je ne m'adresse pas à toi. Et toi, arrête, ne t'adresse pas à elle de cette façon. Elle a peut-être raison. Et ton téléphone pourrait être partout. Tu accuses cette pauvre fille. C'est comme si tu ne m'écoutes pas. Je viens de te dire que j'ai cherché partout. Le téléphone n'est pas avec moi et je ne suis pas sorti avec. C'est cette fille qui a volé le téléphone. Hey, monsieur, je n'ai jamais volé dans ma vie. Je le jure. Ferme ta gueule. Tu n'es qu'une foutue voleuse. Heureusement pour toi qu'ils sont là. Sinon, je t'aurais déjà décoré le visage. Laisse-moi te dire ceci. La semaine dernière, tais-toi, je parle. Ferme ta gueule, je parle. La semaine dernière, 20 000 francs ont disparu dans ma chambre. Je jure que si tu la fermes pas, mes 20 000 francs ont disparu. Et puis, quelques jours après, mes affaires ont disparu. Hey, alors Dieu. Quoi? Ils se sont développés des ailes et s'envolaient juste comme ça? Oui, je vous jure que je n'ai jamais volé dans votre chambre de toute ma vie. S'il vous plaît, croyez-moi. Écoute-moi, aujourd'hui, c'est la fin de ton séjour dans cette maison. Tu t'en vas. Ce n'est pas à toi de décider. C'est ma maison et à moi de décider de qui reste et qui part. Papa, elle quitte cette maison dans 5 minutes. Je ne peux pas rester sous le même toit et respirer le même air avec une voleuse. Elle part. Et si tu ne pars pas, tu sais exactement de quoi je suis capable. Laisse-moi te retrouver encore là-bas. Cette fille, c'est ma domestique. Ils n'ont aucun droit de la renvoyer juste comme ça. C'est bon, je m'en occupe. T'en fais pas. Rosaline. Monsieur. Comme je te l'ai dit, je vais mettre en garde mon fils. S'il te plaît, ne pars pas, s'il te plaît. Excusez-moi, monsieur. Mais je dois m'en aller, monsieur. J'ai essayé, monsieur. Désolé, madame. Rose, mais on t'a bien traité ici, n'est-ce pas? Mon mari et moi avions été bons avec toi depuis ces quelques mois que tu as passé avec nous, n'est-ce pas? Vous avez été très bonne avec moi, madame. Vous avez été aussi très bon avec moi, monsieur. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, monsieur. J'apprécie beaucoup, mais j'ai essayé. Je dois m'en aller. Alors, il n'y a rien que nous puissions dire ou faire qui puisse te faire changer d'avis et rester? C'est ça, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Désolé, madame.
ma chérie, s'il te plaît, as-tu un chargeur iPhone? Et ton frère, il en a? Ah. D'accord, et cette fille? Cette grosse fille avec laquelle vous cohabitez? Elle n'en a pas? Et elle joue souvent à la grande dame là-bas? Ah, c'est quoi ça? Donc personne n'a un iPhone chez vous? Qu'est-ce que vous utilisez? Non, moi je suis novice, je suis amatrice, je viens juste de débuter la vie. Donc si personne n'utilise iPhone chez vous, il y a un problème. Tu devrais quitter cette cour. Hein? Ah, ma chérie, c'est un client qui était venu, hein. Il était venu acheter, puis il a oublié son téléphone. Et voilà, le téléphone s'est éteint. Moi, je m'inquiète au cas où il appelait. Je veux juste trouver un chargeur et le mettre en charge. Et Georges, il n'en a pas aussi? Yeah. Georges, qu'est-ce qu'il utilise alors? Ah. Si personne n'utilise iPhone, qui les en achète donc? Ah, nawao. D'accord, pas de souci, t'inquiète. Je vais demander à mes voisins. Je vais leur demander, sûrement un d'entre eux en aura. Sûrement que quelqu'un doit en avoir. iPhone, c'est iPhone. C'est plein partout. D'accord. Pas de problème, merci. Ah. Il y a quoi avec ce téléphone? Regardez, grand homme, grand problème. Moi, je préfère le mien. Il est plus grand. Plus grand. Regardez celui-ci, on dirait un miroir. Ha! Reste ici. Somebody told me you were not coming. Oh. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas accessible. Cette salope a dû l'éteindre. Stupide salope! Pourquoi l'ai-je laissé partir sans la fouiller? J'aurais dû la fouiller proprement. Des voleurs partout. Stupide cul de pute. Voleuse de iPhone. Cul de merde. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas accessible. Bien sûr. Hey mec, pourquoi peux-tu la laisser partir comme ça sans la fouiller? Hein? Bien fouillé dans son sac. Bien fouillé partout. Ah, mec, tu as merdé. Bro, écoutez. Même s'il a fait, croyez-moi, il y a des chances qu'il ne trouve rien. D'accord? Tu vois ces gens de voleurs? Ils ne gâtent pas leur butin à découvert. Il a probablement un acheteur potentiel avant de voler le téléphone. Croyez-moi. Les gars, c'est pas là la question. Tout ce que je veux, c'est mon téléphone. C'est tout ce que je veux. Il y en a trop de choses importantes que je ne peux pas me permettre de perdre. Eh bien, où est ton ami Aka? Traquons le téléphone. Oh d'accord, laisse-moi l'appeler. Je l'avais déjà appelé. Mais je vais le rappeler. Écoute, à mon avis, je pense qu'il faut impliquer la police. À tel point que le vendeur et l'acheteur souffrent vraiment. Mais tu ne me fais pas confiance. Ne me fais-tu pas confiance? Celui qui a volé mon téléphone est dans le pétrin. Ozzy, comment tu vas? Oui. Hein? Allez, c'est bon. Dépêche-toi, s'il te plaît. On t'attend depuis. Oui, c'est bon. Mon gars. Il arrive. D'accord. Super. C'est sur le point de descendre. C'est sur le point de descendre. Ça serait sanglant. C'est sur le point de saigner. Attends, j'espère qu'il n'a pas pris un bus. Dis-lui de louer un taxi confortable et je vais payer. Non, il arrive. T'en fais pas, il arrive. Ouais, s'il le dit, c'est qu'il arrive, c'est sûr. D'accord. T'en fais pas. Celui-là qui a volé mon téléphone. Si je mets mes mains sur celui qui a volé mon téléphone, l'acheteur et le vendeur. Ha! Huh.
Hey, je ne l'ai jamais vu en colère comme ça avant. Je t'assure, mon gars. Je plains la personne qui a pris ce téléphone. Ah, si je te dis où j'ai été chercher ce chargeur aujourd'hui, tu ne me croiras pas. Personne dans les environs n'a ce chargeur. Écoute, je te dis. Je dis qu'ils n'ont pas le chargeur, tu parles d'iPhone. Ils n'en ont pas. J'ai été obligée d'aller dans l'autre rue pour emprunter un chargeur. Ah, je ne sais même pas... D'accord. Ma sœur. Je me suis demandé, de quel genre de personnes suis-je entourée? Pauvre état d'esprit. Pauvres gens. Je me rends compte que moi-même je suis pauvre. Ma chère, ma situation doit forcément changer. Dieu doit faire quelque chose pour moi, c'est trop. Ah ah. D'accord, pas de problème. Ah. Toute une rue. Pas de chargeur d'iPhone. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ibedou? Ibedou. Voilà. Quel diable mon téléphone fait à Ibedou? Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, voyez vous-même. Gare, es-tu sûr? Attends, laisse-moi voir. Ah ah. Gare, que veux-tu faire? J'appelle la police. N'est-ce pas la fille du centre commercial où ton téléphone a été perdu? Es-tu sûr? Bien sûr. Tu ne me crois pas? C'est elle. Bien sûr que c'est elle. Donc c'est elle la sorcière qui a volé mon téléphone? Oui, bien sûr, c'est elle. Hé, hey, toi! Viens ici! J'ai dit viens ici! Bonsoir, messieurs. Es-tu sourde? Je dis viens ici. Tu la vois? Elle fait visage à une innocente. Reste là. Où est mon téléphone? Oh, c'est à l'intérieur. Ah! Ah! Non, non, attends, calme-toi d'abord. S'il te plaît, alors, calme-toi. Alors, c'est toi qui as volé mon téléphone. Volé ton téléphone? C'est toi? Hein? C'est bon. Calme-vous, ton téléphone. Calmez-vous. Où est le téléphone? C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Allons-y, tu me le remets. Je vais te gifler, cette pauvreté va sortir calmez-vous. De ta vie. Calmez-vous. Laissez-moi gérer. J'ai pas voulu. Allons-y, tu me le remets. Elle m'énerve. Donne-moi mon téléphone tout de suite. Je... Ça veut dire quoi? Apporte le téléphone, voleuse. Stupide salope. Je vais lui montrer qu'elle a tort de toucher mon téléphone. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, mais tu... Vous avez le téléphone? Avance, vous avez le téléphone? Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Allez, viens m'expliquer. Approche. Doucement. Voleuse de téléphone. Ouais. Vous avez le téléphone? Oui, je l'ai. Le vois, c'est bien. Non, s'il vous plaît, approche. Monsieur. Viens non, m'expliquer. Non, alors. S'il vous plaît, monsieur. Approche et non, viens m'expliquer. S'il vous plaît. Viens m'expliquer ce que mon téléphone vient faire à ce putain Ibedou. Espèce de voleuse. Hein? Ça va. Désolé de ne pas venir à temps au commissariat pour payer ta caution. J'étais allé au village pour voir ma maman à l'hôpital, avant que ma soeur ne m'appelle. Ok, Letty, merci d'être venue payer ma caution. Merci beaucoup. Abby, s'il te plaît, arrête de pleurer, d'accord? Je ne peux pas arrêter de pleurer. Si t'as vu comment ces gens m'ont battue,
Si t'as vu comment ils m'ont traité, je t'assure que je suis dégoûtée de ce pays. C'est bon. Ils m'ont même pas interrogé, ils m'ont pas demandé ma version de l'histoire. Ils ont juste fait ce que ce méchant homme leur a dit de me faire. Abby, ça va. Rien ne va. Au moins le pire est passé maintenant. Remercions Dieu que tu sois rentrée. J'aurais aimé être présent quand tout cela s'est passé. S'il te plaît, ça va. Je pense que je dois m'en aller maintenant. As-tu besoin de quelque chose? Non, ça va. D'accord. Merci d'être venu. Je t'en prie. Comment va ta mère? Oui, elle va bien. Le médecin dit qu'elle sera libérée ce week-end. D'accord. Bonne guérison à elle. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci. S'il te plaît, prends bien soin de toi. D'accord. Et cesse de pleurer. D'accord. Merci encore. À plus. Reviens ici, jeune homme. Quoi? Ramasse tes assiettes et va les laver. Non, papa, je vais les ramasser. Tu n'as pas à le faire. Il a renvoyé son aide ménagère. Tu peux pas le faire à sa place. Je dis, reviens ici, jeune homme. Ou tu les ramasses maintenant ou sinon je... Sinon quoi, père? Tu vas arrêter de me nourrir? Bon sang. Je peux très bien me débrouiller tout seul. Jeune homme, tu vis toujours dans ma maison. Tu manges chez moi. Tu dois faire ce que je dis. Si tu es fatigué, va chercher ton appartement. Oh, gars, si tu veux que je parte, dis-le simplement. Ne tourne pas autour du pot. D'accord? Dis-le avec courage. Vas-tu te taire? Tu ne peux pas me parler comme ça. Qui es-tu? Quelle témérité? Papa, s'il te plaît, ce n'est juste que des plats. Je vais les ramasser. Tu ne peux pas le faire. Il a renvoyé la servante. Et il veut faire de toi sa servante. Ça, c'est quelle bêtise. Papa, s'il te plaît. Je me plains, moi. Tu es ma femme. Il ne peut pas faire de toi son esclave. Vas-tu revenir ici ramasser tes assiettes? Qu'est-ce que ça signifie? Non, non, papa, s'il te plaît. Mange ton repas. Quelle bêtise. Quelle témérité dans ma propre maison. Ma chère. Voilà comment j'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon travail parce que j'essayais d'être quelqu'un de bien. Pourquoi ce monde est-il ainsi? Que vais-je faire? Hein? Dieu va punir cet homme où qu'il soit. Dieu va le punir. Zico ou comment on l'appelle, Dieu va... Mon Dieu va le combattre pour moi où qu'il soit. Dieu le punira pour moi. Hein? Ah mon Dieu, cette douleur que je ressens, il va la ressentir 20 fois. Il la ressentira. Peut-être que j'aurais dû laisser le téléphone. J'aurais dû le laisser. Regarde-moi maintenant. Ça va, je suis calme. C'est bon, hein? N'importe quoi. N'importe quoi, je le ferai. Tant que ce n'est pas de la prostitution, je le ferai. Je sais, j'ai des factures. J'ai tellement de factures. Où vais-je aller? N'importe quoi, je le ferai. Merci.
Donc, tu me rappelles? D'accord. S'il te plaît, ne l'oublie pas. Si tu vois mes bips, sache que c'est pour te le rappeler. Je vais te biper, j'ai pas de crédit. Je vais te biper pour te le rappeler, s'il te plaît. Merci. Ha. I'm beginning, but this was all wrong. This was all wrong, yeah. How come the seasons keep changing since you disappeared? Jeune homme, où est-ce que tu vas avec les clés de cette voiture? Comme tu peux bien le voir, je sors avec. Et qui t'a donné la permission de la prendre? J'ai pas besoin de permission pour conduire la voiture de ma mère. Ah ah. Mais tu sais que Charité utilise cette voiture maintenant. Eh bien, Charité peut trouver quelque chose d'autre. Je veux dire, tu lui as volé son mari. Veux-tu lui voler aussi sa voiture? C'est pas la peine. Reviens ici, jeune homme. T'inquiète pas. Je vais toujours me débrouiller. Il peut partir avec la voiture. Charité, tu gâtes ce garçon. Et je commence à en avoir marre de ça. Je vais toujours me débrouiller, t'en fais pas. Allô? Oui? Qui? Elles arrivent? Trois d'entre elles. Oh, ça c'est bien. Tu pourras les envoyer ce soir à l'interview. Merci. L'agent a dit que trois personnes arrivent ce soir pour l'interview. D'accord. J'espère que tu seras de retour ce soir. Oh, définitivement. C'est bon. Papa. Oui? N'as-tu pas oublié quelque chose? Quoi? Tu veux que ta chérie s'en aille sans ta bise? Ah, d'accord. Oh, je suis désolé. C'est bon. Prends soin de toi. Ainsi que toi. Très bien. Au revoir. Ma femme a dit qu'elle avait été très impressionnée par ce qu'elle avait entendu de toi. Merci, maman. J'ai entendu dire que tu as travaillé comme employée dans un supermarché. Oui, monsieur. Pourquoi as-tu démissionné? J'ai pas démissionné, monsieur. Il s'est passé quelque chose de malheureux et je n'ai pas pu me rendre au boulot pendant quelques jours. Jusqu'à ce que je ne revienne, ils avaient déjà donné mon poste à quelqu'un d'autre. Oh cher, j'espère que tu ne vas pas te réveiller un jour et disparaître comme ça. Non, monsieur, je ne ferai jamais ça. Je signerai même un accord à cet effet, je ne le ferai jamais. Bien, parmi les trois personnes que ma femme a interrogées,
Elle m'a fait savoir que c'était toi la plus performante. Oh, merci maman. Je t'en prie. Alors, tu as le poste. Oh Dieu, merci monsieur. Merci maman, je ne vous décevrai pas. Je nettoierai la maison et prendrai soin de tout. C'est bien enregistré dans ma tête. Oui maman, pas d'inquiétude. Je vais t'avoir à l'action. D'accord, pas de problème, j'aime faire le ménage. Alors c'est pas un problème pour moi. C'est bon pour aujourd'hui, donc tu vas retourner chercher tes affaires pour commencer le travail demain. D'accord maman, merci monsieur. De rien. Merci maman. De rien. D'accord, tu peux passer par la porte du derrière. D'accord, merci. C'est bien. Ah. C'est une bonne personne. Je l'aime bien. Oui. Ils veulent utiliser des faux arbres pour tromper un vieil homme comme moi. Regarde, regarde très bien. Alors, qui t'a dit que ça ne l'est pas? Comment l'as-tu su? Ah, ah, regarde, regarde bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, papa. Reviens ici, Zico. Papa, écoute, je ne suis pas d'humeur, d'accord? Reviens saluer Charité. Quoi? Salut Charité. Papa, s'il te plaît. Je ne t'ai pas entendu. C'est bon, maintenant tu veux partir. Il a déjà salué. S'il te plaît. Ça fait une semaine que tu es parti. On était tous inquiets, tout le monde sous la pression. Nul ne savait où tu étais. Tu ne prenais même pas les appels. Où étais-tu, jeune homme? Est-ce que je peux aller me doucher et me reposer avant d'avoir cette discussion? Je suis fatigué. Reviens ici. Tu ne peux pas employer ces mots dans ma maison. As-tu besoin de quelque chose? J'ai fini de préparer le dîner. Toi. Toi, putain de bordel. Quel putain fais-tu ici? N'utilise pas ces mots dans ma maison. Père, qu'est-ce que cette idiote fait ici? Cette voleuse? Je suis pas une voleuse. Un seul mot de ta bouche, je te gifle, tu vas pas le croire. Tu ne peux pas non plus gifler qui que ce soit dans cette maison. Père. Oui? Cette salope a volé mon téléphone. Monsieur, je n'ai pas volé le téléphone. Je... Arrête, arrête. Arrête. Le même téléphone que tu as accusé Rose d'avoir volé, tu l'accuses aussi de l'avoir volé? Je comprends pas. Oh oui, j'ai réalisé après que ce n'était pas Rosaline qui l'avait pris. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est innocente non plus. Elle est sûrement responsable des biens et de l'argent disparu. Alors, tu as chassé cette jeune fille de cette maison. Tout ça pour rien. Juste pour rien. Écoute, je te dis que je n'ai pas pris... Là n'est pas la question. C'est pas du tout la question. La question est que cette salope s'en va. Maintenant, écoute-moi, jeune homme. Personne ne quitte cette maison tant que je ne l'ai pas dit. Père, tu et ne... Et c'est un ordre. Tu ne comprends pas. Elle a volé mon téléphone. Je te le dis, jeune homme, que personne ne quitte plus jamais cette maison jusqu'à ce que je le dise. Et c'est définitif. C'est tout. Voilà. D'accord. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Parce que je vais rendre ton séjour dans cette maison très... misérable, compte sur moi. J'ai pas volé son téléphone. Et puis, il a débarqué chez moi avec des policiers, m'accusant d'avoir volé son téléphone. Sans me laisser m'expliquer, il m'a donné une bonne gifle. Puis les policiers m'ont embarqué et m'ont emmené. J'ai été enfermée pendant 2 jours. Jusqu'à ce qu'un de mes amis ne vienne payer ma caution. Oh ma chère, s'il te plaît. Nous sommes désolés, je comprends les stupides crises de colère de mon fils. Tu vois, vu ta conduite dans cette maison, nous te croyons, hein? Je te crois, désolé. Merci monsieur. Ma femme et moi présentons des excuses en son nom. Excuse-nous, d'accord? Merci beaucoup, merci. Merci. Puis-je retourner à la cuisine maintenant? Oui, tu peux, mais par rapport au dîner, tu peux le servir. Merci, maman. Je suis désolée, monsieur. D'accord, d'accord. Ne peux-tu pas présenter des excuses?
Excusez-moi, monsieur. Reviens ici. Mange. Croyez-vous que je l'ai empoisonné? Si je te gifle, tu veux te faire gifler? Allez, mange ce plat. Apporte-moi une autre. Abigail! Abigail! Qu'est-ce que c'est? C'est quelle sorte de riz au gras? C'est comme ça qu'on fait le riz au gras dans ton village? C'est quel stupide repas sans goût? Hein? Es-tu malade? Qu'est-ce qui se passe ici? Demande à ton esclave et qu'elle me trouve autre chose à manger. Tu as 15 minutes. Et apporte mon téléphone à l'étage. Salope. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai préparé le riz au gras. Il a dit que le riz au gras n'avait aucun goût. Et il me l'a jeté dessus. Le repas n'a pas de goût? Le même repas que j'ai mangé? Je suis désolée pour ça, d'accord? C'est bon, maman. Je vais chercher quelque chose pour nettoyer cet endroit. Je suis vraiment désolée pour ça, d'accord? You have everything I do, you live inside of me. So tell me, how is that? You're the only one I wish I could forget. The only one I love to not forgive. And though you break my heart, you're the only one. And though there are times where I hate you, cause I can't. And though there are times where I hate you, cause I can't erase the times that you hurt me and put tears on my face. And even now, why I hate you, it pains me to say. I know I'll be there at the end of the day. Hey, I don't wanna be without you, babe. I don't want a broken heart. Don't wanna take a breath without you, babe. I don't wanna play the part. I know that I love you, but let me just say. Va arranger ma chambre. Monsieur? Je viens juste de ranger votre chambre. Alors je vais vite finir de manger pour me rendre au marché et acheter ce que madame m'a recommandé. Je déteste me répéter. Va arranger ma chambre maintenant. Oui, monsieur. Que je n'y arrive pas avant toi. Somebody told me you were not coming home. The world's spinning in time, and the air suddenly went cold. Somebody told me you were not coming home.
The world's spinning in time. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Ah ah! Comment un homme peut-il n'avoir de respect pour personne? Il ne respecte pas son père. Ton papa parle, tu parles. Hein? Ha! Essaie avec mon père. Essaie! Tu verras de quoi il s'agit. Que tu sois garçon ou fille, essaie juste. Tu seras vite redressé. C'est riche. Je ne sais pas si c'est la nourriture pour bébé qu'ils donnent à leur enfant qui fait qu'il leur manque de respect. Je ne comprends pas. Si c'est au goût que vous buvez... Mon papa va parler, tu vas parler. Essaye! Essaie juste. Ah, mais regarde ce qu'ils font. Merde. Regarde ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est quel genre de passe? Calme-toi sur le match. Tu vois pas qu'il se débrouille bien. Tu vois pas qu'il y a trop de marquage. Il se défend bien. Tu ne vois pas bien. Quelqu'un qui ne sait pas jouer, c'est du n'importe quoi. S'il vous plaît, dites ce que vous voulez. De l'argent perdu sur sa jambe. Hey, reviens ici. Qu'est-ce que c'est? Le vin que vous m'avez demandé, monsieur. Est-ce le genre de verre à vin que vous utilisez dans votre village? Est-ce que ça ressemble à un verre à vin pour toi? As-tu perdu la tête? Enlève ça de mon visage. Nya 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 nya. Nya 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 nya. Mais bro, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a encore fait de mal? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle a fait quoi? Si elle peut prendre un verre à vin pour un verre à eau, elle ne mérite pas la civilisation. Elle doit appartenir au zoo. Gars, calme-toi non. Vas-y doucement avec elle. C'est une fille bien après tout. Hein. Je ne comprends pas. Cette fille bien. Cette chose sale. Fille bien. Fille sale, comment? 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 C'est une fille propre. Elle n'est pas sale. Mais bro, qu'est-ce que tu dis? Ma bonne est rentrée dans ton esprit? Si c'est une blague... C'est bon, c'est de la blague. Arrête ça. Je te suivons plutôt le match. T'es garçon de n'importe quoi ici. Ça va. Là, contempler ma bonne. Arrête ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Reviens. Quel âge as-tu? Casse-le. Casse et paye. Réponds-moi, quel âge as-tu? J'ai 28 ans, monsieur. 28 bonnes années. Et tu ne mets pas la différence entre verre à vin et verre à eau. De quelle brousse es-tu sorti? Non. Je blâme en fait les zombies qui t'ont mis au monde. Parce que s'ils n'avaient pas été stupides pour te mettre au monde, ceci n'arrivera pas. J'espère que tes malheureux parents n'ont pas fait l'erreur de mettre au monde d'autres idiotes comme toi. Parce que nous en avons déjà assez qui errent dans les rues. Hors de ma vue. Si je me répète, tu ne vas pas... Hors de ma vue. Zico. Zico. Mon gars, tu exagères. Comment? Non. C'est pas évident. C'est qui peut faire de tel bro. Allez, viens. Dois-je utiliser mes dents pour l'ouvrir? Abby? Abby! Je vais plus t'appeler deux fois, ne tourne à ce lieu. Mais pourquoi cet endroit est ainsi? Hein? Ne tourne à ce lieu, tu ne connais pas ton travail? À part d'être salope et stupide, tu ne connais pas ton travail? Dois-je tout te montrer? Ça veut dire quoi? Je te parle et tu m'ignores. Cette fille est-elle folle? Je m'adresse à toi et tu fais ce que tu veux.
Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ta famille va bien? Je sais que tu n'as aucun respect. Comme tu ne respectes pas tes parents, tu penses que tu peux insulter les miens. Hein? Bro, laisse ça, hein? Je n'ai même pas encore commencé. Es-tu à terre? Hein? Es-tu fou? Es-tu fou? Lève-toi! Lève-toi! Bats-toi! Regardez-moi ce bâtard! Hein? Tu es venu dans ma boutique. Ma boutique, et tu as oublié ton téléphone. Et tu as oublié? Tu as oublié ton téléphone. Comme une bonne personne, j'ai ramassé le téléphone. J'ai emprunté un chargeur pour le charger. Et pour me remercier, bro. Pour me remercier, c'est d'appeler la police. Pour venir m'arrêter après m'avoir giflé. Hein? Hein? Je vais te tuer aujourd'hui. Hein? Je vais te tuer aujourd'hui. Lève-toi. Bats-toi comme un homme. Bats-toi comme un homme. Viens par ici. Viens. Hein? Tu vas me connaître. Hein? Bats-toi. Lève-toi. Lève-toi. Bats-toi comme un homme. Hein? Je vais te. Bats-toi comme un homme. Lève-toi. 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 Je m'adresse à toi. Lève-toi. Je te dis de te lever. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'il faut respecter les gens. Je ne sais pas qui t'a appris à être grossier, mais ne t'avise jamais dans ta vie d'insulter mes parents. M'as-tu entendu? D'ailleurs, si je te vois encore manquer de respect à qui que ce soit dans cette maison, que ce soit tes parents, que ce soit le gardien, que ce soit tout le monde, ceci va à l'endroit de tout le monde. Essaye voir. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'est qu'une partie de l'iceberg. Dégage vite de là. Quand tu auras fini de pleurer, arrange le salon. N'importe quoi. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Rien? Et tu as l'air d'être... C'est quoi? Laisse-moi tranquille. Je vais bien. Abigail. Maman. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, maman. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, ça va. Je voulais juste savoir si tu sais ce qui est arrivé à Zico. Il s'est enfermé à l'intérieur. Il refuse de sortir. Il ne veut rien prendre non plus. Que s'est-il exactement passé? Maman, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. D'accord, excuse-moi. Merci. Merci, maman. Ouvre cette porte. Je sais que tu m'entends. Ouvre-la maintenant. Each day with me. I fight a battle, oh surviving yet another day without you. I wake every morning to realize that you're gone. How can I feel the space of emptiness in my heart? I need someone to hold my hands and tell me it's alright, it'll be okay. Oh, I need someone to hold my hands and tell me it's alright, and tell me it's okay. Ah, avez-vous fini? C'est bon, Non. Abby. Monsieur. Je suis... Je pense que... Peut-être... Que nous sommes partis du mauvais pied.
Et je suis... Non. Laisse tomber. Tu es comme ça depuis quelques jours. Je ne t'ai pas demandé de venir. Combien de temps vas-tu rester comme ça? Allons nous faire semblant que la seule raison pour laquelle tu t'inquiètes est le fait que je suis ton unique fils. Zico, en quoi t'ai-je offensé? Arrête! Arrête de faire semblant. Je ne fais pas semblant. J'ai fait de mon mieux pour toi. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vraiment? Tu as fait de ton mieux pour moi. Waouh! Merveilleux. Le prix du meilleur père revient à Chief Sam Okpara. Très bien. Zico, qu'est-ce qui réellement te ronge? Dis-le maintenant. Ce qui me ronge, tu dis? Oui. Très bien. Allons-y, n'est-ce pas? D'accord. Par où commencer? Oh. Je sais par où commencer. Commençons par le fait que toi et maman êtes les parents les plus irresponsables qu'ils soient. Laissant votre unique fils dans les mains des bonnes et des nounous pendant des années. Et pour tout couronner, après que maman soit tombée malade, à cause de stress selon le médecin, qu'as-tu fait? Rien! Et après sa mort, tu as épousé ta secrétaire. Juste 2 mois après, et tu t'attends à ce que je sois heureux avec ça? Il y a 2 jours, c'était le mémorial de maman. Je t'ai regardé. Je t'ai observé vivre ta vie comme si rien n'était. Comment oses-tu m'accuser de ne pas avoir commémoré ma femme? Comment oses-tu m'accuser d'avoir profané la tombe de ma femme? Comment oses-tu... Parce que tu t'en fichais! Je le faisais! Tu ne l'as jamais fait! Penses-tu que je ne vois pas la façon dont tu traites cette femme? Crois-tu que je suis cinglé, stupide ou aveugle? Tu la traites avec tant d'amour et respect. Quand quelqu'un est allongé dans sa tombe à cause de mépris et du manque de respect. Arrête ça, Zico, arrête ça! Écoute-moi, je ne vais jamais gérer ta société et je ne vais jamais te respecter. Tu n'auras jamais de valeur à mes yeux. Et tu sais quoi? J'en ai fini. J'en ai fini de me faire du mal en restant assis ici et te regarder manquer du respect à la mémoire de ma mère. Arrête, arrête, Zico, arrête. Arrête, Zico. Zico. Zico, Zico, pardon. Ne fais pas semblant de t'en soucier. Parce que tu ne l'as jamais fait en tant que père et ne commence pas maintenant, d'accord? Maintiens la même énergie parce que j'ai des choses à faire. Zico, essayons d'en parler. Tu sais? Tu as fait de moi la personne colérique que je suis devenu aujourd'hui. Et je me déteste pour ça. Zico, s'il te plaît, parlons. Sors de ma chambre. Dégage! Tu ne t'es jamais soucié de moi. Et tu fais comme si tu t'en soucies maintenant. Où étais-tu?
Pendant des années, tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Et maintenant, tu fais semblant comme si... Je t'ai dit de sortir. Zico. Je sais que tu ne veux pas de moi ici. Et je le comprends, je suis désolée. Je vais partir. Je m'en vais, mais toi, tu n'as pas besoin de partir. Abby, ce n'est pas ta faute. D'accord? Ce n'est pas... Abby. Je suis désolée. Écoute, je pense que je t'ai poussé trop loin. Écoute, je suis désolée, d'accord? Ce n'est pas ta faute. Je n'aurais pas dû... Non, ça l'est. Peut-être que j'ai exagéré, je suis désolée. Je suis désolée. D'accord? Je suis vraiment désolée. Je suis désolé de t'avoir blessé. Je suis en colère depuis très longtemps. Le seul langage que je comprends, c'est la colère. Depuis la mort de ma mère, rien n'est plus pareil. Et le plus pire, c'est qu'il a essayé de passer à autre chose, comme si rien n'était. Tu vois, ma mère s'est sacrifiée tellement pour notre cause. Et il s'en souciait pas autant qu'il se soucie de sa nouvelle femme. Maintenant qu'il est vieux et faible, il veut que je prenne l'entreprise afin que je puisse finir comme lui, devenir un monstre comme lui. Je ne le ferai jamais. Je ne ferai jamais cela. Je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt. Je pense que je devrais juste partir. C'est pas bien pour moi de rester ici. Où irez-vous alors? Un hôtel, chez des amis, n'importe où, jusqu'à ce que j'aie ma propre espace. Laissez-moi vous aider. Vous savez, le premier pas vers la guérison est de réaliser que vous avez un problème. Je pense pas que vous devrez partir. Si vous partez, ce serait en fait comme fuir vos problèmes. Ce qui ne doit pas être ainsi. Zico, je comprends ta colère contre ton père. Regarde-toi, je t'ai jamais vu sourire. Je ne sais même pas comment tu le perçois. Tu en veux à ton père. Et les gens t'observent. Ils ne voient pas l'action de ton père. Ils ne voient que tes réactions. Ce qui fait que les gens te détestent sans raison. Zico, s'il te plaît. Je ne pense pas que tu dois... Je te dis d'arrêter. Tu n'as pas besoin de faire ta valise. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Tu n'en as pas besoin. Je ne vais pas le faire. Rien ne s'est jamais bien passé entre ton fils et toi. Il me tiendra responsable pour tout. Zico, s'il te plaît. Si tu sais que tu y vas pour empirer la situation, tu ferais mieux de rester ici. J'ai même commencé par me blâmer. Mon cœur, tu n'as pas besoin de faire ta valise.
Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça, s'il te plaît. Tu ne me comprends pas, vois-tu? Ton fils croit que je suis responsable pour tout. Tant que je serai ici, il me blâmera pour tout. Je ne savais pas quelle relation il y avait eu entre ta défunte femme et toi. Je commence même à penser que nous avons précipité les choses. Peut-être que tu devrais prendre le temps pour faire le deuil de ta femme. Ça allait tout arranger. Je suis désolée. Chérie, s'il te plaît, tu n'en as pas besoin, s'il te plaît. Tu n'as pas à partir. S'il te plaît, reste. You're everything I thought you never were, and nothing like I thought you could have been. But still, you live inside of me. So tell me how he's there. You're the only one I wish I could forget. The only one I love to not forgive. And though you break my heart, you're the only one. And though there are times where I hate you, cause I can't erase the times that you hurt me. Isaac, né Okpara. Ta naissance a apporté tant de joie à ta mère et à moi. Ta mère et moi cherchons un enfant depuis si longtemps que ta naissance signifiait tellement. Et nous voulions te donner ce qu'il y a de mieux dans la vie. Je suis désolé de te donner l'impression que je ne me suis pas soucié de ta mère. Mais Dieu sait que je l'ai fait. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai construit avec elle. Je suis désolé si je te donne l'impression que je ne me suis pas occupé d'elle. Je n'ai jamais été seul. Et je ne triche pas. Quand ta mère est décédée, j'étais tellement dévasté. Charité, mon ancienne secrétaire, était la seule qui m'a donné du réconfort. Mais il n'y a rien que j'ai fait qui puisse profaner la mémoire de ta mère. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été ce père que tu voulais que je sois. J'ai passé tellement de temps à gagner de l'argent pour te donner un avantage dans la vie. Je suis vraiment désolé. Je t'ai observé passer du gentil petit garçon que tu étais à un homme de colère. J'en assume l'entière responsabilité. Chaque fois que je ressens ton agressivité, cela me brise le cœur. Et j'aimerais mieux souhaiter être seul. Les gens de la rue t'ont même vu lever la main sur des femmes. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois comme ça. Je suis vraiment désolé. Mon fils, tu n'as pas besoin de me quitter. Tu peux être ton ingénieur de son temps web, web designer et tout ce que tu veux être. Tu peux devenir tout ce que tu veux être. Mais ne le fais pas parce que tu veux me contrarier. C'est vrai que je veux que tu prennes mon entreprise. Mais pas parce que tu es mon fils unique. Plutôt parce que tu es compétent. Je t'ai observé dans tes moments de colère, tu n'as jamais détourné de fond. Je t'ai aussi observé prendre soin de tes propriétés partout. Mon fils, je suis désolé.
Je suis désolé. Pourquoi n'as-tu pas pleuré ma mère comme il le faut? Je l'ai fait. Dieu sait que je l'ai fait. Charité ne pourrait pas prendre la place de ta mère. Charité ne peut pas prendre la place d'une femme avec qui j'ai vécu 28 ans. Non, elle ne peut pas. Son enterrement a eu lieu le 15 du mois dernier. Tu es allé travailler et tu as continué ta vie normale. Je pense que t'en es même pas souvenu. C'est un mensonge, fils. C'est un mensonge. J'étais allé au cimetière. Et voici les petites photos que j'ai prises pendant que j'ai déposé des fleurs sur sa tombe. Je suis un homme. Un homme qui ne montre pas ses émotions ouvertement. Mais j'ai des sentiments. Je les ai. Je suis désolé. Je suis désolé, fils. Je suis désolé, vraiment, vraiment désolé. Je suis désolé. Merci. Merci. Merci, fils. Bonjour, monsieur. Hey, bonjour, Abby. Comment vas-tu? Bien dormi? Bien. Vraiment? Bonne journée, hein? À vous aussi. Abby. Ah,
D'accord. C'est prêt. J'aime. C'est bien. Ah, c'est bien. C'est chaud. Allons-y. D'accord. The world is spinning in time and the hair suddenly went cold. Vous avez fini? Non, c'est bon, je m'en occupe. Si, s'il vous plaît, laissez-moi Abby, juste... J'insiste, c'est bon, d'accord? D'accord. Êtes-vous sûr que je ne devrais pas prendre ça? Non. C'est bon, vous pouvez laisser. Abby, s'il te plaît, continue ce que tu fais, d'accord? Alors, toi? Ouais, Zico. Il n'est pas là. Mais sa voiture est dehors. Il a voyagé. Oh, je vois. Je l'appelle, mais il ne répond pas à mes appels. Écoute, fais-lui savoir que je suis passé dès qu'il revient. Oui. Merci. Pourquoi les évitez-vous? Je ne suis pas prêt à les voir. Je vais les appeler après. D'accord. Abby. Oui? Assieds-toi. Je vais bien comme ça. Non, s'il te plaît, assieds-toi. À part le fait que je me sens coupable de t'avoir mis dans cette situation, je vais aussi t'apporter de l'aide. Veux-tu retrouver ton ancien travail? Je pourrais le faire. Non. J'aime ce boulot. J'aime bien être ici. Vous êtes la seule personne qui me pose les problèmes. Le salaire ici est meilleur et le travail n'est pas stressant, donc je préfère y rester. D'accord. Ce que je veux dire est que ma mère avait un supermarché que j'ai fermé après son décès. Puisque tu n'as pas assez de travail ici et que tu insistes pour rester, je veux que tu gères le supermarché. Tu peux reprendre le travail ici le matin et aller au supermarché plus tard. Êtes-vous sérieux? Oui, nous pouvons discuter du pourcentage après. Ce serait formidable. Hein? Ce serait tellement gentil. Oui, merci. De rien. Vraiment? Bien sûr. Papa, serait-il d'accord? Oui, il est d'accord. Je lui ai parlé. Je lui ai déjà parlé. Oh, merci. De rien. Alors, parle-moi de toi.
et de ta famille, ceux-là que tu aimes tant. Je viens d'une famille de 6 enfants. D'accord. 3 filles, 3 garçons. Mon père est un enseignant. Alors, et tu es l'aîné ou la Benjamin? Each day within me, I fight a battle. I'm surviving, yet another day without you. I wait every morning to realize that you're gone. How can I feel the space of emptiness in my arms? I need someone to hold my hands and tell me. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce que c'est? Votre thé vert. Assurez-vous de boire celui-ci, vous n'avez pas bu celui d'hier. D'accord. Abby. Monsieur. S'il te plaît, arrête. Je m'appelle Zico, pas monsieur. D'accord, Zico. C'est chauffé, attention. D'accord. Comment ça se passe à la boutique? Très bien, tout va très bien. Alors, je vois que tu t'intéresses vraiment à l'accueil de tes clients. Il faut que tu arrêtes. Tu ne peux pas continuer à me regarder par la vidéosurveillance. Tu as ton travail, j'ai le mien. Concentre-toi sur le tien. Non, je ne peux pas m'empêcher. Peut-être que j'aime bien te regarder. Alors, tu t'es fait un nouveau copain, hein? C'est pas mon petit ami. C'est juste un ami qui veut sortir avec moi. Et tu iras? Bien, je n'ai pas dit oui. Mais tu n'as pas dit non plus. Non, je n'ai pas dit non. D'accord. Je veux te dire que tu es une très belle femme et que n'importe quel homme aimerait sortir avec toi. Non, pas n'importe quel homme. Je suis sérieux, n'importe quel homme. Ah! Je pense que je vais te laisser. Bonne nuit. Ouais, tu t'enfuis, mais c'est bon, bonne nuit. Bonne nuit. Voilà.
voilà le problème. Papa. Oui. Je l'aime vraiment. Abby. Oui. Et j'aimerais bien sortir avec elle. Ah. Tu sais, je vous observe depuis des semaines déjà. Bien. Abby est une bonne fille. Elle est très intelligente et travailleuse. Oui, tu as bien vu. Alors, je crois que vous ferez un bon couple. D'accord? Santé. Santé. Alors, je donne mon accord et ma bénédiction. Merci beaucoup. Tu as fait un bon choix, fiston. Wow. Hey. Tu es très ravissante. Merci. Je sais que c'est une très courte pause déjeuner. D'accord? Mais je promets de vite te ramener à temps. D'accord, c'est bon. Bissi! Bissi! Oui? Surveille le magasin, d'accord? Excuse-moi. D'accord, madame. Allô? Quoi? Tu vas bien? Je suis désolée. J'ai une urgence à la maison et je dois vraiment y aller. Je suis désolée, je vais me rattraper. D'accord? Bissi, occupe-toi bien de la boutique. Oh mon Dieu! Zico! Zico, ça peut aller? Que s'est-il passé? C'est juste que je sens la fièvre. Quoi? Allons à l'hôpital alors? Non, je veux pas aller à l'hôpital. T'inquiète, ça ira. Tu feras quoi? Non. Tu ne fais pas de fièvre. Es-tu sûr? Oui, ça va aller. D'accord, tu sais quoi? Je te cherche des calmants. Si ça ne va toujours pas, alors on ira à l'hôpital. Non, t'inquiète surtout pas. J'irai mieux, d'accord? Et si ça n'allait pas? Je m'en sortirai. D'accord. Es-tu sûr? Oui, je suis sûr. Écoute, je suis vraiment désolé pour ton rendez-vous. Je suis désolé que ça ne s'est pas bien passé. Mon rendez-vous? Comment le sait? Je veux dire... Zico! Tu n'es pas souffrant! Non, je suis souffrant. Regarde, je suis malade. Non, tu ne l'es pas. J'ai de la fièvre. Tu as de la fièvre? Oui. Regarde mes yeux. Arrête. T'es pas souffrant. Mais je suis souffrant. Essayes-tu de me saboter? Non. Oui. Non. Tu m'as donné l'impression de quelqu'un qui fait la fièvre. Mais tu ne veux pas aller à l'hôpital? Pourtant, tu m'as donné l'impression d'une situation de vie ou de mort. D'accord, je suis désolé. Tu sais quoi? J'enlève cette caméra. Je suis sérieuse. Non. Je veux pas que tu ailles au rendez-vous avec quiconque. Pourquoi? Je suis désolé, d'accord? Je ne voulais pas que tu continues à amener ce type. Mais aller à un rendez-vous avec Alex ne veut pas dire que je sors avec lui. Mais techniquement, ça veut dire la même chose pour moi. On peut aller à un rendez-vous avec quelqu'un sans sortir. Somebody told me you were not coming home.
suddenly went cold. The sun is still shining, but everything feels like rain. Yeah. And if I had one wish, it'll be to see you Alors c'est ça. Oh mon Dieu. Quoi? Aujourd'hui ton père va nous gronder. Non. Es-tu sûr? Oui. Sont-ils partis? Non, ils sont toujours là. Ce que tu fais avec ton père, tu ne dois pas l'essayer avec le mien. Il te tuera, hein? Si tu vois mon père arriver, tu dois te lever. Quoi? Oui. Waouh. C'est un militaire. Mon père va t'attacher et te fouetter. Et fouetter l'homme avec qui tu es. Quoi? Je suis sérieuse. Oui, tu as de la chance. Tu ne sais pas ce que tu Bien. As. Bien. Je crois que je comprends maintenant. Que fais-tu ici encore? Tu es censé t'asseoir et me laisser finir. Non. The world is spinning in time and the hair suddenly went cold. The sun is still shining. To see you again. Ooh. Nothing's fair when we lose without a moment to say goodbye. How come the world stops beating now that you're gone? Papa, maman, je suis venu demander la main de votre fille en mariage. Oui, Abby a été une belle rencontre de ma vie, sur beaucoup de voies positives. Et je ne pense faire ma vie
sans elle. Alors, avec votre permission et bénédiction, je voudrais être son mari. Merci. Each day within me, I fight a battle. I'm surviving yet another day without you. I wake every morning to realize that you're gone. How can I feel the space of emptiness in my tell